أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Nous avons fait descendre le Coran durant une nuit bénie. Nous sommes en vérité ceux qui avertissent. فيها يفرق كل أمر حكيم. Tout ordre sage est décrété en cette nuit, Laylatul Qadr, la nuit du destin, ou la nuit du décret, est la meilleure des nuits. C'est la nuit où Allah a révélé le Coran entier et où il décrète tout ordre sage. Ce sont les versets 3 et 4 de la sourate Ad-Dukhan. L'imam Sadiq alayhi salam dit « La Torah fut révélée pendant la sixième nuit du mois de Ramadan. L'évangile fut révélé durant la douzième nuit. Les psaumes de David pendant la dix-huitième nuit du mois de Ramadan. Et le Coran fut révélé pendant la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr. Nous ne savons pas quelle nuit s'agit-il exactement. Selon le hadith chiite et sunnite, cette nuit se trouve dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Dans un hadith rapporté par Bukhari dans son livre Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Recherchez cette nuit pendant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. » L'imam Baqir alayhi salam dit la même chose dans un hadith rapporté par Khulaini dans son livre Usul al-Kafi. فيها يفرق كل أمر حكيم. Tout ordre sage est décrété en cette nuit. Que veut dire ce verset? L'imam Sadiq alayhi salam dit durant cette nuit, les anges descendent au ciel de ce bas monde et écrivent ce qui se passera pendant l'année qui vient. C'est en cette nuit qu'Allah décide, efface et confirme ce qu'il veut. Il dit aussi à Zurara, l'un de ses meilleurs compagnons, la 19e nuit du mois de Ramadan, Allah décide. La 21e nuit, Allah le confirme. Et la 23e nuit, Allah le signe. Alors, c'est une nuit bénie. C'est la nuit du Coran. C'est une nuit où Allah décide pour notre année prochaine. Il efface aussi ce qu'il faut. Voulez-vous qu'Allah efface tous vos péchés? Allah dit dans le Coran, la sourate Az-Zumar, le verset 53, « La taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. » Ne désespérez pas de ma miséricorde, car je pardonne tous vos péchés. Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque veille la nuit d'Al-Qadr avec une croyance en Allah, Allah pardonnera tous ses péchés. Voulez-vous qu'Allah décrète en cette nuit le meilleur destin pour vous? Profitant alors de la meilleure des façons, en implorant Allah, en suppliant sa miséricorde.